c'est un groupe qui s'appelle Soñj, S-O-N-J. Et donc nous sommes des Bretons et on fait de la musique entre l'Orient et l'Occident. On propose un voyage musical à partir de Constantinople jusque dans toute l'Europe pour recueillir le son des peuples. Alors on a été engagé par la ville de Provins à l'occasion des médiévales pour nous produire et présenter notre spectacle. Pourquoi on aime ça? En fait, dans toutes ces musiques, le point commun, c'est la vitalité de ces musiques. Même si la musique médiévale, on n'a pas beaucoup de traces de comment ça se jouait à l'époque, avec les musiques traditionnelles de toute l'Europe, on peut retrouver un peu le goût, le rythme, la manière dont ça pouvait être interprété. Et donc nous, ce qui nous intéresse, c'est de rendre vivant, à travers l'emprunt à d'autres cultures, de rendre vivant la musique médiévale et essayer d'avoir une interprétation la plus dynamique possible et pouvoir offrir aux gens quelque chose d'attrayant pour des oreilles actuelles. Alors le costume, c'est un costume qui est inspiré des costumes de l'Empire byzantin, donc qui est la fin de l'Empire romain d'Orient, donc qui termine en 1453 avec la prise de Constantinople par les Ottomans. Et donc ce costume, c'est emprunt beaucoup de pièces différentes. On essaie d'avoir un costume qui n'est pas d'une époque particulière. On essaie d'avoir quelque chose d'assez large parce qu'on peut être amené à jouer dans différentes fêtes qui ont des temporalités un peu différentes. Et donc on retrouve des brocarts de soie. Donc ça, c'est un motif de brocart de soie qui peut être retrouvé sur des vêtements de la Thrace, donc région entre la Turquie, la Bulgarie, la Macédoine et la Grèce. Et donc c'est des motifs qu'on peut retrouver à partir du 6e siècle, donc vraiment le haut Moyen-Âge, fin de l'Antiquité, et donc jusque dans le Moyen-Âge. Et on se servait de ce genre de brocart, par exemple, pour entourer les reliques sacrées, donc des saints. Et quand on a ramené des reliques, par exemple, de Terre Sainte, de Jérusalem, on les a enveloppées dans ce genre de tissu assez beau. Parce que nous, en fait, on est mandaté par l'empereur de Byzance pour aller chercher des sons un peu partout. Voilà. Alors, mon instrument spécial est un instrument qui vient de Suède. Ça s'appelle le nyckelharpa. Nyckelharpa, ça veut dire violon à clé en suédois. Donc c'est un violon avec des touches, tout simplement, qui date du 14e siècle. Donc il y a quatre cordes principales qui sont frottées avec un petit archet, accordé comme un alto. Donc voilà, do, sol, ré, là. Et puis j'ai 12 cordes sympathiques qui sont absolument pas touchées, mais qui entrent en résonance, qui entrent en vibration dès qu'il y a une note qui est produite. Donc c'est, voilà, c'est comme jouer du violon dans une cathédrale, avec beaucoup de réverb. Il y a des touches qui forment 4 rangées, donc le clavier est composé de 4 rangées. Une rangée pour chacune des cordes qui est frottée par l'archet. C'est ça, et en fait ça fait c'est mécanique, hein, c'est un ensemble, une touche, c'est pas seulement ce qu'on voit apparaître, mais c'est bien tout un bloc de bois. Et sur ces blocs de bois, il y a des petites pièces qui viennent se poser sur les cordes et qu'on appelle des sautereaux. Voilà. Et puis en France, on a à peu près 4 luthiers qui sont en activité, voilà, dont un luthier qui a vraiment développé le nyckelharpa en France, qui s'appelle Jean-Claude Condy, voilà, qui vend et qui fabrique des nyckelharpas pour plein de nyckelharpistes dans le monde entier. Ça s'appelle une vielle à roues. Voilà. C'est un instrument d'origine qui est médiévale. Le principe, c'est une roue qui frotte des cordes. Donc on remplace l'archet par une roue. La roue ici. La roue frotte les cordes. D'accord ? Comme ça. Et après, on a un boîtier ici qui passe, là, avec des cordes dedans. Et ce sont, on appelle ça des chanterelles, ce sont les cordes mélodiques, celles qui vont faire la mélodie. Donc, la mélodie est faite par des sautereaux en bois, c'est des petites tangentes ici, qui vont modifier la longueur vibrante de la corde et donner une note plus grave ou plus aiguë en fonction. Un peu, c'est le même mécanisme que le nyckelharpa que vous avez vu précédemment, et qui raccourcit la longueur vibrante aussi de la corde. C'est le même mécanisme. Et du coup, ce principe-là, ça remonte au 11e siècle. Voilà. Donc voilà. Et les cordes qui font le son continu, on appelle ça des cordes bourdons. Voilà.
c'est des notes qui sont là, qui font un son fixe. Voilà. Donc on rajoute après la mélodie, ici. Voilà. Et il y a une autre particularité de l'instrument qui est très spéciale, c'est ce qu'on appelle le chien. C'est cette petite pièce en bois ici, là. Voilà, qui va vibrer microscopiquement en fait sur la petite tablette. Et c'est provoqué par des petites accélérations dans le tour de roue. Et ce qui va donner ce petit zingement qu'on entend, qui donne un rythme à la mélodie, par exemple.